La calache, comment ça va? Ah ben, mais qu'est-ce que c'est là? Je comprends pas. Une caméra en cette journée, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, c'est le rap mentor. Le rap mentor, le boss nous a envoyé ici. Oui. Pour qu'on puisse venir, n'est-ce pas, voir l'événement que vous avez tant annoncé sur la page Facebook et sur le blog. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là. Il y a un événement, c'est juste pour annoncer un featuring qui aura lieu avec le Royaume X, la Youngblood de le Royaume X. Dans quelques jours, oui, à ce titre, mes gars sont en train de faire une répète dessus. Allons les voir. Oui, oui. Yo les gars, comment ça va? Ouais, on a la visite de Rap Mentor. Ils sont venus voir un peu comment on y travaille. Donc, par rapport à ça, ils ont décidé de faire une petite interview sur nous. Nous sommes là. Je pense bien que c'est la Youngblood. Oui, oui. Mais je vois deux autres MC. MC, si je ne me trompe pas, vous faites du coupé des calots ou du rap, je sais pas. Ok, c'est du rap, c'est du Royaume X, voilà. Royaume X, on dirait toi et tu connais quelque part. Ça sonne vrai. Ah, ok. Mais le Royaume X, ah, ok, donc c'est avec vous qu'il doit faire le feat? Eh ben oui, c'est avec nous, vous pouvez demander à Megasu, hein. Mais quand le titre, vous pouvez me souffler déjà, je sais pas si c'est un peu confidentiel ou bien quoi. Dès aujourd'hui. Yeah, today. Aujourd'hui. Je crois que ce feat, c'est dans le but d'annoncer quelque chose de grave et de puissant qui va descendre sur Babi Sud. Ouh! Mais pour le moment, on ne peut pas vous révéler. Vous voyez, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est d'écouter seulement le feat qui va sortir et vous verrez. Ce sera une vraie révélation de l'année. Je connais la Youngblood. Vous, je ne vous connais pas. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Black Nine du sein du Royaume X, voilà. Je suis. Ah, d'accord, mais je reconnais une chose. Je reconnais que Adblash, Mr. X et Grand Cadilla, Kalash, n'est-ce pas, sont des pros. Là, je le reconnais. Et vous? Sur ce beat, Matt Mettez, je fais la promo de la caisse. MC Kip Lazik, c'est pas du jour que je suis le fils de Dieu venant dans les cieux. Aujourd'hui, je suis clair comme l'éclair. Si tu kiffes ta paix, tu kiffes tes morts, c'est pile à l'ordre. On nous empêche, on presse en pêche. Au fond de la terre se trouve la crèche. Faut vite creuser que je me dépêche. Je veux m'évader des balles qui me cherchent. J'ai vu des enfants en larmes pleurer les remparts. Mandame sous l'emprise des amalgames. Tenir des objets dits à me. C'est vos mondes qui est en l'envers. Ou c'est vous qui le renversez. L'Afrique est bien sûr couvert du sang que vous pissez. Je pense ce que je dis. Je dis ce que je pense. Je sais. Bon, on va pas trop tarder. Les fans attendent ça. Hein? Les fans l'attendent. Je sais pas, je commence par qui. Vous avez dit déjà, c'est dès aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez faire un petit extrait. Bon, pour ne pas trop, n'est-ce pas, vous enquiquiner. Je veux seulement le refrain. Ça vous sert? Dès aujourd'hui, je reste loin des ennuis. Dès aujourd'hui, je m'engage dans cette vie. Dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. À suivre. Voilà, c'était juste une petite intro pour savoir ce qui se passera le jour où vous kifferez le son. Thanks. Ok. Est-ce que je peux avoir, n'est-ce pas, un message pour tous vos fans? Bon, le seul message qu'on peut donner, la Youngblood est là, la Youngblood est vivante avec le Royaume X. Un feat se prépare bientôt. Donc, bisous à tous les fans. C'était Grand K. D'abord, je voudrais dire merci à tout le monde. Et puis, merci à nos fans, à ceux qui nous soutiennent jusqu'à présent. Ok, d'accord. Bonne journée à vous et bonne répète. Merci. Ok, merci. C'est le rap mentor qui vous remercie. C'est le boss qui vous remercie. Okay. Et vous invite, n'est-ce pas, à aller sur le blog et le site internet, n'est-ce pas, pour voir la suite. Merci.